Alors, faire des œufs de cette façon le plus délicieux. Je ne fais plus frire les œufs. Ouh là là, attends. Je le fais juste. Ah voilà. Passons 4 œufs dans ce bol. C'est quoi cette voix dégueulasse là? Regardez. Eh bien oui, on regarde, c'est une vidéo. Tu veux qu'on fasse quoi? On va pas se mettre un bandeau. Hein. Cassons-les tous. Non mais j'imagine les gens qui tombent cette vidéo et qui restent. Regardez. Cassons-les tous. Oh putain. Comme ça, très rapidement. Comme ça, là c'est rapide là. Oh bah alors si toi tu es rapide, hein, moi je suis A-Train hein, de The Boys. Hein. C'est rapide. Non, ils sont pas bleus, ils sont blancs, mais avec le bol rouge, ça leur donne une couleur bleutée. Hein. C'est une recette bien rapide et tout le monde va adorer. Cette fois, c'est une recette bien rapide et tout le monde va adorer. Dans la joie et dans la fureur. Tu dérapes, Pablo Gop, tu dérapes. Vous allez tous aimer ma recette. Maintenant, on va séparer le jaune du blanc. Pourquoi tu l'as pas fait avant? Oh là là, c'est la façon la plus incroyable que j'avais vue de séparer le jaune du blanc. Je n'ai jamais vu ça de ma vie. Mais tu sais, tu utilises la coquille, tu fais droite, gauche, droite. Qu'est-ce que c'est ça? C'est une cuillère à glace. Oh là là, j'ai de la glace. Oh, j'ai une glace manque passion. Je vais la désinguer en live. J'ai le droit de désinguer ma glace manque passion en regardant ça après. Regardez. Regardez, c'est déjà fini. Oh, c'est la magie du montage, elle a fait 3 d'un coup. Elle a dû tellement galérer. Parce que je te garantis que le jaune, il s'accroche au blanc comme un enfoiré. C'est pour ça qu'on utilise la coquille. Séparé avec l'aide d'une cuillère à glace. Et tes gros doigts aussi. Oh, c'est répugnant. Pouic, le pourquoi est pouic, pouic. Oui, c'est bon, calme-toi. Il restera toujours un peu. Et maintenant, on va mettre du sel, une pincée suffit. Ah oui, c'est bien fait. Hein. De même ici pour le jaune. Ah, oh là 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 là. Nut, nut, nut. On ne met jamais de sel sur le jaune. Sinon, ça le brûle et ça le cuit. Ça va faire des belles taches à la surface. Et même si tu le remues après, c'est niqué. Maintenant, un peu de persil. Ah bah oui, bah laisse le sel agir, c'est parfait. Oh, le beau persil, qu'il est bien. Alors, c'est pas du persil, c'est de la coriandre, ma louloute. Alors ça, c'est de la coriandre, ce n'est pas du persil. De la coriandre. C'est génial, elle ne connaît pas, même pas le nom des herbes qu'elle utilise. Et on va battre. Et on va battre. Battrons bien, c'est blanc. Battrons. Allez, les gars, on battrons comme des fous. Battrons, donnez-moi ça. Je battrons. Attendez. Et quel est le seul streamer français à avoir un Becherel dans son studio? C'est Bob le Gob. Il a aussi un dictionnaire, hein, le Larousse, hein, pas Larousse, qui passe sous le bureau. Hein. Le copain du petit Robert, qui lui, par contre, passe sous le bureau. Pop, pop, pop. Alors, le verbe battre. Alors, battre, 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 battre. Battre. Nous avions la gorge qui grattions, nous avions les yeux qui brûlions. Et nous avons les yeux, nous avions les œufs qui battions. Voilà, du verbe battre, hein, donc. Hein. Ah, quel dommage que Sandrine Rousseau ne soit pas avec nous. Elle eût été ravie de cette utilisation et de cet utilisation et de cet usage frauduleux de la conjugaison française. Battre, battre. Oh, c'est un verbe clé en fait, c'est-à-dire c'est un verbe type. Hein. C'est des verbes qui finissent par tre. Alors, gre, battre, pas numéro 55. Ouais.
Voilà, 55, battre. Alors, on va réécouter parce que je veux savoir quel temps c'est quand même. Elle en va battre. Elle en va battre. Battre combien c'est blanc pour mélanger le sel? Alors, j'ai pas entendu, qu'est-ce qu'elle a dit? On va battre. Battrons bien, c'est blanc. Battrions. Alors, battrions. Futur simple, non. Passé simple, non plus. Nous avons bâtim. Bâtions. Alors, on n'a pas battrions. Hein. Je cherche battrions. Bâtissions, non plus. Ah, parfait. Hein. Que je bâtisse. Que nous bâtissions, non plus. Bâtons. Ça, c'est impératif. Batterie. Ah, si! J'ai trouvé. Pop, pop, pop. Je suis mauvaise langue. Que nous battrions conditionnel présent. Alors quelque chose qui est sous condition, c'est pas quelque chose qu'on fait, mais bon, ben voilà, je me suis trompé. Autant pour moi, excuse-moi, je ferme ma gueule. C'est du présent conditionnel. Voilà. Bravo à elle. Pour mélanger le sel, toutes les épices. Oh, bien entendu, c'est pas français. Hein. J'ai déjà battu les blancs. Oui, ben on le voit. Oh la vache, t'imagines passer ta vie avec elle? Ouvrons la porte, mon chéri. J'ouvrions la porte. J'ai déjà ouvert la porte, mon chéri. Veux-tu un café et une pipe? Pipons et faisons le cafion. J'ai déjà fait le cafion. Ouais, mais finis la pipe, par contre, parce que... Et au moins que j'ai un avantage à vivre avec toi. Hein. Et maintenant, je vais battre les jaunes. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle les pique? Pique, 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 les hommes! C'est la consistance qui n'a pas de goût. C'est la consistance qui n'a pas que c'est bon. Voilà, maintenant que j'ai bien battu, je vais les mettre ici sur le côté. Ici derrière. Je vais allumer le feu pour commencer. Oh. Toutes les influenceurs gastronomiques ont ce putain de réchaud de camping paradise. C'est incroyable, hein. Ils ont tous ce putain de réchaud de camping paradise. C'est le réchaud qui sert à faire cuire les pâtes au camping ou à faire chauffer le lait pour le mettre dans le Nesquik ou dans le Benko. Ce n'est pas une plaque de cuisson stable et fiable, grosse cruche de merde. Mon vieux. Commencez à chauffer la poêle. Je vais mettre un peu de margarine. Regardez comme on est dans un monde de salopes. Regardez bien ce qu'elle fait. Hein. Je vais mettre un peu de margarine. Je vais mettre un peu de margarine. Mais alors, j'attire votre attention. Un margarine interdit. C'est vraiment de la merde. Hein. C'est de l'eau avec de l'huile émulsionnée. C'est immonde. Et en plus, elle te met ça sur une poêle chaude avec son pinceau en silicone. Mon goût silicone, mon préféré. C'est-à-dire que rien ne va. Rien. Mais jusqu'au bout, rien. C'est madame rien. J'aime rien. Je fais rien bien. Je sais pas conjuguer. Je sais pas cuisiner. Je sais pas choisir mes produits. Je suis un gros rien. Dégoûte. Une petite quantité, juste pour couvrir le fond de la poêle. Ouais. Eh ben toi, je vais te dire une chose. Hein. Si un jour tu veux être marié à un corps 1, un corps 2, un arbre, un avion, un phénix, n'importe quoi, une baguette d'Harry Potter, collector, puisque maintenant tout est possible, tout est réalisable. C'est le merveilleux monde des enfants gâtés. Je pense qu'il ne faut pas que tu tapes sur la cuisine. Voilà. Écoute-moi bien, ma louloute. Tu as d'autres dons dans la vie. Il faut que tu les mettes en avant. Peut-être que, je sais pas, peut-être que tu tricotes bien, peut-être que tu tripotes bien. Peut-être que tu gigotes bien, mais là, ne compte pas sur la cuisine pour retenir quelqu'un. Voilà, c'est mort. Voilà, la cuisine, c'est pas ton truc. Voilà, tu as les trois autres possibilités que je t'ai citées, mais
Il faut vraiment que tu sois doué pour le reste, parce que là, pour se taper ça tout le temps, là, tous les jours, et puis surtout, tu cuisines plus après, parce que là, tu cuisines, même si tu tripotes, tu gigotes, tu tricotes bien, le mec, il s'en va. La mec, la femme, pardon, le kangourou, l'avion, le bateau, moitié loutre, moitié siphon de chiottes, enfin voilà, parce que voilà, toi, tu peux te marier avec n'importe quoi. Il ne faut pas que tu sois regardante, hein. quoi qui approche de toi, il faut que tu valides, tu dis oui, hein, tu es contente. On sait le progrès, là. Maintenant, je vais ajouter les jaunes que nous avons battus. Mettre tous ces jaunes. Sinon, avoir une Maryse pour éviter de gaspiller, ça serait pas mal, parce que ces pauvres cocottes, elles ont fait les œufs, quand même. Vous devez les étaler sur tout le fond de la poêle. Mais c'est froid, là. Enfin, le feu, il est où? Pourquoi il n'y a pas le feu? Ça marche bien. Marche bien le réchaud de Camping Caradise, c'est complètement froid. On va attendre qu'il cuise bien. Alors, voilà, on va bien attendre. Oh, ça rit dans la surface, ça monte pas en température. Oh là là, oui. Tout le monde, notre omelette est bien cuite maintenant. Mais c'est pas une omelette, hein. C'est rien du tout, ça. C'est des œufs plats. On peut mettre deux morceaux de fromage mozzarella. Et avec la... C'est pas de la mozza. Je ne sais pas ce que c'est comme fromage, mais ce n'est pas la mozza. C'est ni de la mozzarella fraîche, ni un ersatz de mozza. Enfin, c'est de la merde. Oh, elle a sorti sa Maryse en plastique. Gros, le dos, le plastique, la loulou, tu prends le plastique. Elle est d'une spatule, voyez. Voyez, c'est froid. Voyez comment c'est froid. On va les rouler, comme ça. Elle en a... Les mains, utilise les mains, regardez-la avec ses deux plastiques. Elle en a combien, les petites spatules, comme ça? On dirait des spatules Choupi et Doudou Collector. On dirait des spatules Choupi et Doudou Collector. Attendez, si je vous fais ça, regardez. Vous allez voir, c'est beaucoup mieux. Vous allez voir. Vous allez bien plus apprécier. On se remet dès le début. Oui, ça. Là, et comme ça. Choupi et Doudou, vous voyez, ils sont rigolos comme ça. Partout ils passent, attention aux farces. Alors, vous venez ici et tirez vers le côté. C'est mieux, non, comme ça? Laissez cette partie ici et on va mettre une partie des blancs qu'on a battus. Regardez et la poêle. La poêle, elle est froide. La poêle, elle s'en bat les couilles de ce qu'il lui met dedans. On a attendu que les jaunes cuisent. Alors, tout le monde. On regarde. Ce côté. Oh, j'attire votre attention. Regardez, vous voyez quand c'est ridé comme ça, ça veut dire que le produit a été mis dans une poêle à froid, puis qu'on a monté la température. Regardez les œufs là qui sont encore baveux, c'est même pas cuit. Oh, quel enfer. Avec son réchaud qui est juste bon à faire cuire trois pâtes et le lait pour le mettre dans le bain. Ici, il est bien pris. Maintenant, on va continuer à rouler comme ça. Et en laissant toujours un peu de marge, comme ceci. Ah oui, c'est bon. Hein. Ah, on continue? Maintenant, on va mettre le reste du blanc que nous avons réservé. Ça y est, c'est maintenant, chaud. On va les c'est étaler chaud, comme bon, ça. Oh, il a fort, le réchaud, il n'en peut plus. Le réchaud, il n'en peut plus. Il est à fond, le réchaud. Il n'en peut plus. Regardez, cette omelette est très délicieuse, tout le monde. Vous pouvez utiliser la spatule pour aider à étaler les blancs sur le fond de la poêle. Pouic, le trou, pouic. Donc, ne le bouge pas jusqu'au bout, ton trou. Notre omelette est bien cuite, regardez. Maintenant, mais ça se mange, ça? On va rouler à nouveau. Ouais. Ouais, et on en parle, là, du blanc bien baveux, bien dégueu, bien glaireux, qui donne envie de vomir. Oh là là. C'est bien roulé, ouais. Comme vous pouvez le voir. Maintenant, c'est bien. On va servir. C'est bien roulé. C'est bien roulé. Attends, parce que j'ai aussi... Hein. Je sais plus si c'est le bon. C'est pas le bon. Putain, je l'ai pas, Annie. Oh là là, je l'ai pas trouvé. On aurait ri. Attends, c'est peut-être là. Attends. On va un peu. C'est vers la fin. Ah, c'est là, je pense. C'est bien trouvé. C'est bien tenu. Ça va bien, non? Hein? Regarde.
Tu vois, regarde, tu remontes comme un peu. Ça. Rouler, non. Attends, tu vois. Tu remontes un peu là, comme ça. Là, tu synchronises. Parce que moi, je sens bien qu'elle en veut, quoi. Donc, tout le monde, notre omelette est bien cuite, regardez. Maintenant, on va rouler à nouveau, comme ça. Oh putain, qu'est-ce qu'elle est. C'est bien roulé, comme vous pouvez le voir. Une enfant de 4 ans avec ses spatules. Oh, elle ne peut pas utiliser ses mains ou une spatule en bois. Tout le monde, je ne fais plus. Attends, mais moi j'ai une question dans ta vidéo, ma louloute. Maintenant, on va servir. Pourquoi tu la coupes pas pour nous montrer comment c'est bien à l'intérieur? Oh, vous sentez comme elle est en souffrance, comme elle est dans une galère sans fin, pour faire quoi? Une omelette déstructurée de merde, hein? Elle est en souffrance, hein? C'est-à-dire que là, elle est au max, du max, du max de ses capacités culinaires, hein? Tu lui demandes de faire un simple œuf coq, elle en PLS, hein? Oh, c'est incroyable! Alors, regarde les commentaires. Une demi-heure pour faire une omelette, c'est trop. Épices imaginaires, mozzarella invisible. Ça donne pas envie. La poêle, vous pouvez la jeter, elle est rayée. C'est quel genre de mozzarella? Essayez, merci pour ce partage. Qui sépare les blancs des jaunes comme ça? Putain, mais. C'est quoi? On va faire une omelette là, avec 3 œufs là, en live. Je vais vous montrer comment on fait une omelette. Ça me fatigue. J'ai une passion pour l'omelette. Vous avez dit que j'ai une passion pour l'omelette? Je pense que l'œuf est un des plus beaux dons de notre Seigneur. C'est-à-dire, Dieu a mis plein de délicieuses victuailles, des mets extraordinaires à notre disposition. On pourrait en faire une liste non exhaustive pendant des heures. Et dedans, il y a les œufs. L'œuf, ça sert en cuisine. Ça sert en pâtisserie. Tu te rends compte que l'œuf peut se faire cuire de 4 façons différentes, même plus que ça. Mais déjà, 3, 6, 9. Coq, mollet et dur. Après, tu peux le faire au plat. Tu peux le faire en cocotte. Tu peux le faire poché. L'œuf, tu t'en sers pour les gâteaux. L'œuf, tu t'en sers pour lier. L'œuf, tu t'en sers pour dorer. L'œuf, c'est tellement bon. Tu peux le faire brouiller. Tu peux le faire en omelette. Tu peux le faire... tu peux tout faire avec l'œuf. C'est bon, l'œuf. Voilà, tu peux même faire des shampoings, si tu veux. Voilà, après, un peu con, tu fais shampoing.